Ça fait maintenant près d'une heure que j'essaye de filmer un épisode de Leçon de vie avec Alexandra. Et clairement, ça ne fonctionne pas. Premièrement, comme vous pouvez voir, je suis en train de suer, mais littéralement. Je viens de me faire attaquer par une guêpe. Heureusement, elle ne m'a pas eu. Mais à chaque fois que je m'apprête à terminer l'épisode que j'essaye de filmer, il y a toujours quelque chose qui se passe. Il y a toujours quelque chose qui se passe, soit trop de bruit, soit je sais pas, il y a toujours quelque chose. Et donc, je vais appliquer la leçon de vie que j'utilise tout le temps dans tout dans ma vie, que c'est que parfois on peut croire que c'est le moment de faire quelque chose, mais ce n'est pas le moment, dans le fond. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que parfois, comme on dit en anglais, il y a un divine timing. Donc, il y a notre temps à nous pour les choses. On se dit, OK, ça, c'est le moment que je vais faire, par exemple, dans mon cas, que je vais faire cet épisode de leçon de vie avec Alexandra. Ça, c'est le message que je veux partager. Mais peut-être qu'en réalité, en ce moment, ce n'est pas le message que les gens ont besoin d'entendre. Et donc, au lieu, me voici en train de faire cette autre vidéo qui parle du timing divin, n'est-ce pas? Donc, parfois, quand il y a de la résistance dans les choses que vous essayez de faire dans la vie, parfois, quand vous essayez de faire quelque chose en vain, puis il y a toujours quelque chose qui se passe, eh bien, peut-être que c'est tout simplement parce que ce n'est pas le bon moment. Ce n'est pas le moment divin. C'est le moment que vous voulez, mais ce n'est pas le moment que les gens vont avoir besoin de ça. Alors, bref, voilà ce que je partage avec vous aujourd'hui au lieu de l'autre leçon de vie qui était prévue pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Et comme j'ai dit, ça veut dire que là, j'ai réussi à terminer cet épisode sans aucun inconvénient, vraiment. Alors, je crois que c'est ça le message que les gens avaient besoin d'entendre. Quand il y a trop de résistance dans quelque chose, dis-toi que c'est peut-être pas le bon moment pour cette chose-là. Et juste attends, n'est-ce pas? Va avec le flot de la vie et pas avec la résistance de la vie.